Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. C'est un réel plaisir encore à Soya pour nous capables ensemble avec vous d'étudier la Bible et la parole de Dieu. Donc, c'est pasteur Jacques François, pasteur fondateur et directeur de l'Église Jérusalem, localisé dans la ville Miramar-Soya. Adresse de l'Église Jérusalem, c'est 6390, Southwest 32e Street, Miramar, téléphone 786. 3-46-07-786-3-46-81-07 Mais au réel, je dis Jérusalem, pendant la saison pandémique, on a un service d'adoration et de louange chaque dimanche. L'école du dimanche commence à 10h45 et le service d'adoration et de louange commence exactement à 11h du matin. Les jeudis, nous avons l'étude biblique de 7h, 8h du soir. Vendredi, de 1h à 2h de l'après-midi. On peut comme radio, sur Radio Méga, 700 AM, 1h à 2h de l'après-midi. Et samedi, de 10h à midi, les jeunes pour l'église Jérusalem. Donc, nous comptons à Soya pour l'opportunité que bon Dieu, bon nous, nous continuons avec vous. Nous étudions la Bible et sans plus tarder, on va chanter ensemble un cantique dit « Dans toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. » Numéro 107, un chant d'espérance. Section française, nous va chanter 3 strophes de ce cantique pour la gloire de Dieu. Rends-toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Rends-toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase. Fais-nous sentir
pas les prier, mais nous les disons, nous comptons correction que nous avons fait dans la nouvelle édition de Chant d'Espérance. Là. Donc, côté que dans le refrain, il dit ô Saint-Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et remplis-nous chaque jour. Esprit de Dieu, remplis-nous chaque jour. Donc, dans la version ancienne, il dit ô viens, Esprit de Dieu, mais quand même, l'Esprit bon Dieu, pour accepter Jésus-Christ ou baptiser du Saint-Esprit, pardon, les précautions qu'on ne va pas le faire, mais pour capable de Saint-Esprit, mais cependant, pour capable de remplir du Saint-Esprit, c'est ça, du feeling. Donc, ça dépend de notre travail, qui onction, que bon Dieu bon, pour capable de remplir à différentes reprises, donc du Saint-Esprit, mais cependant, ce n'est pas un esprit ou bien une précaution. Donc, pour nous capables de relayer l'esprit, donc, pour qu'il rentre dans nous, donc, nous capables de remplir de l'esprit de Dieu, donc, pour le travail du Maître. En nous prier, Éternel, nous couper devant Majesté. Gloire à toi, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci pour le privilège que bon, nous encore à soyer, nous capables d'en présence où, pour nous capables d'étudier la Bible avec les amis nous, avec les téléspectateurs, avec un membre de l'Église de Jérusalem. Nous n'avons pas un monopole de la connaissance, un monopole du savoir. C'est pourquoi chaque jour, Seigneur, que l'Esprit Saint, comme paraclète, capable de guider nous, enseigner nous, et capable, Seigneur, parler, Seigneur, à nos cœurs, et capable de parler à notre cœur, pour nous pas capable de parler, Seigneur, à l'autre monde. Merci, Seigneur, pour l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et sans l'Évangile, Seigneur, nous par contre côté le monde taillé, le monde 24 sur 24 dans les ténèbres. Mais vous-même, Seigneur, qui est la lumière du monde, ou du monde qui suit vous, vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres, mais vous va gagner la lumière et la vie, Seigneur. Merci pour parole-là, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci encore à Soya pour vos amis qui branchaient déjà. Et qui a partagé live là. C'est là yo qui ouais et pour ouais. Et d'après Seigneur, report qui vient joindre nous. Donc, travail là, Seigneur, les continuer à Seigneur, pénétrer l'évangile là, l'étude là, à faire effet, Seigneur, dans les vies, et capable de transformer, Seigneur, les vies, Seigneur. Merci encore à Soya, nous capables de gagner avec nous pour les affaires, pour vos techniques, Brother Jared, François et Brother Jason pour la musique. Et nous disons merci Seigneur pour fidélité envers nous-mêmes, envers l'Église Jérusalem, envers chaque téléspectateur. Merci Seigneur pour les malades, monde qui était malade et qui était l'hôpital, Seigneur, qu'on fait grâce et qui joignent la guérison. Et qu'à récupérer, Seigneur, pour la plupart, la caillou. Et ça n'a pas d'eau pour nous-mêmes et pour nous toutes. C'est guérison, Seigneur, complète, guérison totale. Nous levons devant, Seigneur, dans un moment ça, le frère Jules, civilien, qui était l'hôpital, qu'à récupérer la caille. Nous levons devant la sœur Mimose, Joseph, qu'à récupérer la caille. Sur Lovely François, qui a pu récupérer la caille à chaque chrétien qui est malaise, à chaque monde qui va bien. Nous connaissons une guérison, Seigneur, une guérison en Jésus-Christ. Il est vrai qu'on choisit différentes manières pour capable guérir, Seigneur. On guérit de toute façon, mais la guérison fait toute gloire, Seigneur, pour vous-même. Et nous bénissons et nous disons merci, Seigneur.
fidélité encore. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen, amen. Donc, annoncez-vous que nous avons fait, il est très court. Pas oublier, nous avons un service dimanche, si Dieu veut, à 11h du matin, service d'adoration, et 10h, et l'école du dimanche. Pas oublier, un jeûne, samedi, si Dieu veut, de 10h à 10h à midi. Nous voulons rentrer tout de suite dans l'étude de parole, bon Dieu. Comme vous connaissez, nous presque terminé, fini avec le livre là. Donc, c'est l'évangile selon Saint Jean. Et nous va soya parler encore de discours Jésus-Christ t'es fait, dialogue que tu as gagné avec disciples. Donc, il t'a préparé, que théologien ou les périodes, ça, année de préparation. Donc, il t'a préparé pour son départ et comment que il est capable de couper avec départ. Ça, et nous voyons déjà comment Jésus t'a parlé pour les disciples sont capables de maintenir ça, une bonne relation donc avec lui-même, même là que lui va quitter. Mais cependant, le pape qui était orphelin, il fait promesse de retour et aussi promesse d'envoyer le consolateur, donc le paraclète et l'Esprit Saint, donc qui va ensemble avec eux de façon permanente. Donc, ministère Jésus, fini, le lit, dérivé, donc pour te reconnaître, bon côté papal, côté que tu es sorti dans le ciel là, viens sauver l'humanité et par le prix de sa vie, mais mission est terminée. Et dit la nature a horreur du vide, mais cependant, la combler vacuum, ça, la combler vide là, avec le Saint-Esprit que voyez, et c'est l'Esprit Saint ben, qui est là ensemble avec nous. Je dis, dans tout ça, n'a fait, donc nous dépendons, n'est-ce pas, ouais, de la puissance du Saint-Esprit. Nous dépendons de l'onction spéciale donc de Saint-Esprit et qui vient jouer plusieurs rôles. Donc, nous va dire là, ou nous va rappeler. Gagnons texte dans l'Ancien Testament, c'est Amos 3, verset 7, mais qui dit nous, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bon Dieu, il n'est pas fait rien sans ne pas fait serviteur, prophète, qu'on est. Ben, ça que la pape fait. Ça veut dire que bon Dieu, les communiquer plan li, les communiquer programme li, et à tout serviteur li yo. Donc nous connaissons Jésus Christ, li à la fois à prophète, li roi, et aussi li prêtre tout. C'est quelques titres que les gagnants et comme prophète les connaît qui ça qui gagnent qui ça lendemain à porter qui ça futur à porter et les révéler le ben plan les à monde que les choisir et dans disciples que Jésus choisit hein. Et nous c'est ça l'affaire. Dans Jean chapitre 16, l'a continué fait, et bien pour le révéler encore, il révélait plan li à disciples. Donc, révélation, c'est un mot nous entendons en pile, et révélation, qui ça que lié, en selon Burke Lang, et bien c'est le yon moun li dit,
yon révélation, c'est le monde li déclaré li même à un monde que le relais self disclosure. Donc révélation nous toujours fait différence ça à chaque fois que nous jouons un mot ça qui est différent de divination. Divination sont bagaille qui interdit par bon Dieu. Si vous allez dans Deutéronome chapitre 18 dans plusieurs d'autres textes dans la Bible côté que bon Dieu te défend peuple Israël là donc pratiquer donc la divination mais cependant bon Dieu révèle à travers sa parole, l'y révèle à travers Jésus-Christ, bon Dieu l'y révèle à travers l'univers, à travers la nature. Donc, nous, ouais, par exemple, si on va lire Somme 119, que nous avons eu chance pour lire dimanche dernier, dans l'église là, comme texte, verset, lecture alternative, nous voyons que Somme 19 lui parlait du monde, de l'univers aussi, de la parole. Donc nous voyons que divination, eh bien, c'est ça, il y aurait les dans divination. Moun nan ka fait divination, hein, lui toujours c'est lui qui prend initiative là pour le capable découvrir, ça aurait les chercher la communication divine. Donc c'est lui-même qui prend initiative là, soit par des moyens appris, par des techniques que eh bien il a utilisé, donc pour le capable chercher connaître donc qui ça qui gagne dans l'au-delà, qui ça qui vini, donc son façon si on va gagner qui a fait mal pour le capable esquiver lui dans le sens et c'est wall divination. Mais cependant bon Dieu lui-même l'y révéler comme de Dieu de plusieurs manières, n'est-ce pas vrai? Et disciplio, eh bien, bon Dieu, l'y révéler ça qui vient pour arriver Jésus après son départ. Après que l'a allé, eh bien, qui ça disciplio capable d'attendre? Qui ça et la préparer, nous disent. Donc, nous, la préparation que Jésus a balle, c'est pour les temps difficiles. Parce que il y a pu recevoir des frappes, des persécutions de la part du monde et qui fait le monde, eh ben pas remet yo, non seulement yo pas remet Jésus, non seulement yo pas remet bon Dieu le Père, mais aussi tout par ignorance parce que yo pas connaît un petit là, yo pas connaît papa. Et des fois persécution yo les ovini des monde qui pensait que son bien que y a fait et nous ka wè l'apôtre Paul même avant sa conversion comment que il était persécuté l'église comment que c'était un zélote il était comment côté c'est un fanatique que il était et ben il était pensé c'est bien que il t'a fait mais cependant mais Jésus t'a frappé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Donc, l'Esprit bon Dieu était rentré dans lui-même. Il était venu reconnaître, mais tout ça que il t'a fait avant, il était dans le fait noir, il pas dans la lumière. Donc, il était reconnaître mal que il t'a fait. Nous dit, dans chapitre 16, là, si nous gardons, nous voyons que une préparation, n'est-ce pas vrai, que Jésus a. Et le cap dit préparation, hein, eh bien, dans Jean chapitre 16, il dit, moi dis nous bagay sa yo, et pour les arriver, pour ça pas étonner nous. Ça veut dire que pas un choc, n'est-ce pas vrai pour vous-même, pour ça pas servir, yo, yon occasion de chute. Et il fait connaître que mépris que vous va gagner pour vous-même, et yo va mettre au dio dans synagogue yo va ba interdiction pour rentrer dans synagogue et les moun sa yo gen yo qui va arriver même mourir et les yo fait bagay sa yo moun sa yo pense que c'est bien que y a fait c'est un culte que y a fait à bon Dieu ça veut dire que moun sa yo
yo totalement dans ignorance, moun sa yo totalement dans les ténèbres, et nous là, c'est la raison de l'évangile, la puissance de Dieu pour capable éclairer si la yo qui dans ténèbres aujourd'hui, il y a bien moun encore qui dans les ténèbres et qui a persécuté chrétien, et c'est parce que yo dans les ténèbres, même sur la croix, Jésus te dit que yo pas connaît qui ça yo va faire. Donc dans verset 2, dans Acte, il dit, ils vous excluront des synagogues. Donc là, il parle de synagogues. Des synagogues qui gagnent plus le monde. Mais depuis qu'il y a at least 10 monde qui réunit en côté, donc il servit de synagogue. Synagogue veut dire un lieu de rencontre. Hein. A place of gathering, ok, côté monde capable réuni, il dit il y a exclu nous dans synagogue et il dit mais il a agi comme ça pour qui raison? C'est parce que monde ça yo dans l'ignorance, yo pas connaît ni papa, yo pas connaît petite là. Et c'est ça que fait Jésus nous dit la préparer disciple. Par exemple, au capable si un monde ils font longtemps malade. Par exemple, les gens s'ils viennent arriver mourir, normalement, pour ses proches et pour d'autres, les départs, les causer tristesse. Ça veut dire que les gens sont capables de crier. Mais cependant, ils ne sont pas même gens avec un monde qui mourit, ça a été une mort subite. Les gens ont noté aujourd'hui, demain, eh bien, les gens ont ça veut dire que choc là, li gen on jan, li pi dur. Donc gen plusieurs étapes yon moun passé non seulement avant que li mouri, donc plusieurs étapes nous pas énumérer yo konnen, mais cependant pour moun qui a côté moun nan, bon préparation tout, yon préparation émotionnelle ou bien psychologique qui fait. Donc là on connaît que moun nan li même là pour la vie. Mais Jésus dans cas ça, il a préparé disciples. Mais disciples pas dit ouais Jésus malade. Yo pas connaît Jésus gagne une maladie qui est incurable. Yo pas connaît notin, mais Jésus-Christ a préparé parce que mission Jésus-Christ lui-même, il prend fin et il finit. Donc la paix préparer et nous voit que mais c'est ça Jésus-Christ fait. Dans la préparation, Jésus-Christ fait, souviré dans Matthieu chapitre 10, nous voyons que comment que Jésus-Christ parlait avec disciples, qui comportement que on doit gagner dans le monde, qui type sorte d'attitude pour être capable de gagner dans le monde ça, parce que Jésus étant que prophète nous a dit, lui connaît ça qu'a privé, étant que Dieu, Jésus connaît ça que gain pour arriver et les parler avec disciples comment yo doit exercer de la prudence, comment yo doit comporter yo, donc les arriver côté que yo gain pour yo annoncer et ça relé les pour annoncer et l'évangile. Mais il dit c'est pour toujours persévérer, pour pas relâcher, pour continuer témoigner le nom de Jésus même au milieu des hostilités. Et nous capables dans Matthieu chapitre 10 verset 14 à 15, Matthieu chapitre 10 verset 14 à 15 qui sa parole l'a dit, il dit lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Les gens qui viennent dans ça, c'est une sorte de madichon, parce que vous rejetez Jésus et vous avez une série de côtés, si vous attendez l'évangile, ça. Eh bien, il n'y a pas tapé péri. Mais puisque l'on rejeté Jésus, rejeté bon Dieu, ou rejeté serviteur bon Dieu,
c'est Jésus même qu'on rejeté. Et c'est ça que Jésus, donc, lui-même, il a pris à payer, n'est-ce pas vrai, pour le rejet, ou bien le mépris, pour le mépriser, donc, c'est serviteur bon. Cependant, eh bien, il récompense tout. Il récompense tout pour le monde qui a pu servir, bon Dieu. Le monde qui persévère jusqu'à la fin, le monde ça, il va sauver. Et récompense que bon Dieu baille à monde qui persécutait, à monde qui était ferme au milieu des hostilités, monde qui était ferme dans mi temps persécution yo, monde qui était ferme les bagailles yo pour qu'on marche, gain récompense n'est-ce pas vrai pour gens de monde comme ça. Et gain récompense pour eux-mêmes, monde n'est-ce pas vrai qui mettait confiance yo dans bon Dieu. Ben, quel que soit dans la situation que vous avez, vous dites, moi, papa lagué, ma pékembe, moi, fais bon Dieu confiance, parce que bon Dieu qu'on délivré, moi, fais bon Dieu confiance, parce que bon Dieu qu'on guéri, moi, fais bon Dieu confiance, parce que bon Dieu qu'on changé mal en bien. Et là, nous jambés dans Matthieu, chapitre 10, verset 40, arrivé dans verset 42, Matthieu, chapitre 18, verset 40, pardon, dit, Matthieu chapitre 10, verset 40, pour arriver dans 42, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que nous, nous recevons le serviteur bon Dieu, c'est qui nous recevra? Nous recevons Jésus-Christ, nous recevons mon envoyé là, c'est bon Dieu, donc le Père. Les nous exercer de l'hospitalité envers serviteur bon Dieu, monde que bon Dieu voyez. Donc nous voyons que gain récompense, gain bénéfice dans ça. Et le bénéfice nous jeune soit aller dans Matthieu chapitre 10 verset 41, il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement une verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Donc, ouais, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, l'on fait bien à mon cap et prêcher l'évangile, proclamer mon cap fait service pour bon Dieu. Donc, c'est pour une récompense qui perd. Cependant, si vous faites mal d'eau, ben nous jouons parole là, dans Matthieu 10, 14 à 15, ou va lire encore, et bien, moun sa yo, ça pi mal pour vous, ben, que ça te rive entre Sodome et Gomorre. Et en pile nan nous, qu'on est ça te rive entre Sodome et Gomorre, n'est-ce pas vrai, côté ville sa yo, bon Dieu, te détruit yo. Cependant, il est échappé, serviteur de Lot, et nous connaît comment s'atteler à Sodium. Donc, ils sont mis en garde que bon Dieu, ben, en pile, non, non. De la façon que nous traitons les serviteurs, bon Dieu, les gens qui traitent au bien, ça a une récompense. Les gens qui maltraitent au tout, ils ont une récompense par eux, mais récompense à eux. Il va gagner, c'est punition, donc c'est châtiment qui sortit dans mon Dieu. Donc c'est le Nouveau Testament qui dit ça, donc dans Matthieu chapitre 10. Cependant, Jésus a consolé, nous dit, monsieur, yo, l'a préparé. Et nous allons dans Jean, nous tournons dans le texte, nous, dans Jean chapitre 16, verset 7, il y a un thème que Jésus lui-même que l'employé, c'est Jésus qui a préparé. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire, c'est un impératif pour Jésus aller. Et si il n'y a pas de vérité davantage, et ça, c'est au bénéfice de disciples. Et nous dit bénéfice, deuxièmement, du départ.
eh bien, c'est un avantage. Ça veut dire que son profit que lié. Vous capable traduire mot ça, vous traduit avantageux, il est capable traduire tout profitable en anglais, donc son bagage qui profitable, vous traduit tout par expedient, son bagage et grec là dit sum ferei, ça veut dire avantageux, hein? Eh bien c'est un bagage qui servit de profit pour disciples, pour Jésus et aller. Donc disciples a attendez, ça veut dire que la situation pas pi mal pour eux-mêmes. Donc les Jésus qui étaient donc au capable sentir émotion, hein? Donc quand même il dit habitude son seconde nature, n'est-ce pas vrai, que lié habitude son seconde nature que lié et les monde à côté, n'est-ce pas vrai, nous partager en pile bagaille ensemble, nous sourire ensemble, nous manger ensemble. Donc les mon aller normalement si vous vraiment humain, eh bien ça causait de la tristesse. Mais Jésus-Christ comme meilleur psychologue, meilleur conseiller qui gagnait à côté du Saint-Esprit, donc il dit c'est un avantage pour eux-mêmes, eh bien que yo allez, ça veut dire consolez-nous. Nous dit départ, ça c'est quelque chose, eh bien profitable. C'est avantage que lié donc pour les disciples. On a dit profit number one. Eh bien, qui profit number one? Dans verset 7b à même, dans Jean chapitre 10, eh bien, profit number one, il dit que, qui ça que lui dit? Eh bien, le consolateur, dans B, il dit que, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire, si je m'en eh bien, l'Esprit Saint pas venu. Ça veut dire que il doit aller quand même pour l'Esprit Saint capable venir. Et l'Esprit Saint venu, donc qui programme que la gain pour qui but l'Esprit Saint, eh bien but a nous joindre lui qui voulait, eh bien n'a jeune dans verset qui rivé en bas. Par exemple dans verset 8 là, il dit quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, de justice et de jugement. Ça veut dire la paix, c'est convaincre le monde, conviction, jugement, parce que, à toute évidence, parce qu'il a rejeté Jésus-Christ. Nous pas privés là d'un péché contre le Saint-Esprit. Mais cependant, Jésus, eh bien, capable de dire, c'est petit Joseph que lié. Jésus, c'est petite Marie, nous connaissons Jésus là. Donc, pas rien, mais cependant, tout ça, Jésus fait. Il fait miracle, il ressuscite des morts, n'est-ce pas vrai? Ou capable de pécher contre le Fils, mais pécher contre le Saint-Esprit. Donc, lui-même, il n'y a pas de gain, ça relève, pardon. Donc, les gens péchés contre le Saint-Esprit, donc, Matthieu lui-même lui parlait donc de cette offense, nous t'a dit capitale, eh bien mon ça donc pas gain pardon, parce que les Jésus lui-même l'elle fait miracle, eh bien gain monde qui dit que c'est avec Beelzebul, c'est avec esprit malin. Donc vous capable lire Jean 12 à partir de verset 22, donc là parler péché contre le Saint-Esprit. Donc, Matthieu 12, pardon, pas Jean. Matthieu 12, à partir de verset 22, vous pouvez parler de cet esprit, donc, qui ça d'après la Bible, donc, que vous voulez dire. Donc, nous voyons le Saint-Esprit, là, je vois de conviction, eh bien, avec toute évidence, face à vous, eh bien, le monde, il a été rejeté Jésus-Christ, et nous voyons que Saint-Esprit, tout, a joué l'autre rôle. Il a joué un rôle de guidance. Donc, son guide infaillible est lié. Et tant que guide infaillible, eh bien, il est là pour capable aider. Il est là pour capable protéger. Donc, il servit d'aide de protection. Le Saint-Esprit là pour servir d'encouragement, pour servir là pour capable délivrer. Le Saint-Esprit là tout pour servir de défense. Parce que Saint-Esprit, hein, c'est rôle de défense que lié. Même Jean,
t'a dit, il a dit, il a un rôle d'avocat. Il joue un rôle d'avocat. Bah, donc, nous connaissons que dans 1 Jean, en chapitre 2, donc, côté que il a parlé, eh bien, de rôle Jésus-Christ, ça, tout pendant que lui-même, lui, dans le ciel, là, il joue pour nous-mêmes à côté du Père. Donc, comme il y a un avocat qui a intercédé pour nous. Mais dans Jean, chapitre 2, verset 1er, nous voyons que côté Jean dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc nous voyons, Saint-Esprit étant que rôle qu'il jouait, rôle de paraclète, paraclétos en grec, on fait grec ni dans undergrad, ni dans graduate school, donc paraclétos. Donc, nous, ouais, eh bien, c'est un monde eh qui a marché ensemble avant, eh bien, c'est un monde qui l'a eh bien, pour capable défendre, c'est un monde qui l'a pour aider à marcher dans le vert pâturage, c'est un monde qui l'a l'Esprit Saint pour mener, pour conduire à bon port. Et l'Esprit Saint, à côté du rôle de conviction, de guidance, il y a un rôle tout, que nous t'a dit, un rôle de glorification. Donc le Saint-Esprit, eh bien, l'a parlé de ça l'entendait, de ça l'ouait. Et c'est ça que fait l'Esprit Saint, n'est-ce pas vrai? Les points, non mon bon Dieu papa, les points non mon bon Dieu petite là, qui ça le fait? Eh bien, les fait nous-mêmes qu'on aime. Et dans Jean 4 verset, Jean 16 verset 14, qui ça Jésus dit de l'Esprit Saint? Hein? Il dit que il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire que la parler des œuvres de Dieu, ça l'étendait tout. Donc c'est ça que il va dire. L'autre rôle encore que il gagnait. Donc ouais, nous t'étions dit ça la semaine dernière. Il y a un texte qu'on capable prendre pour capable tester esprit parce que c'est pas tout esprit qui venait de bon Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, n'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est ça l'Esprit Saint. Quand le Consolateur, ouais, verset 13 là, dans Jean 16, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qu'il vous annoncera des choses à venir. Fait, bon Dieu dans l'Ancien Testament, li averti, à prophète li yo, sa kap vini, l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, tout, li joue un rôle révélateur, ça veut dire que bagay qui caché, bagay tout yeux pa wè, bagay tout moun pa konnen, et Saint-Esprit révélé yo tout. Et c'est même Jean tout, leurs amis, bon Dieu, leurs amis Jésus-Christ, eh bien, li pa caché au secret li. Donc, les révéler au secret. Et nous te disons tout pour formation spirituelle, il y a des choses bon Dieu capable de faire connaître, mais il n'est pas dit pour aller parler, ça, n'est-ce pas? Oui, il y a des choses tout, il y a des choses pour capable de parler, mais étant leurs amis, il faut apprendre des secrets, n'est-ce pas? Si vous voulez connaître en pile l'autre bagaille, eh bien, il ne faut pas parler en pile. Il y a des gens qui ont guéri. Mais dit Jésus dit gardez silence mais gain mon tout Jésus guérit dit allez bye bon Dieu gloire mais cependant dans plusieurs cas donc c'est ça nous carrelé le secret messianique c'est pas le secret maçonnique mais le secret messianique des fois eh ben les bon Dieu touché mon yo yo dit yo pas capé faut yo parler pour Jésus mais cependant gain ça relé la maîtrise de soi qui ont fruit de l'esprit qu'on connaît. J'ai dit, bouche manger, tout manger, li pa di toute parole, et surtout, le bon Dieu dou, pas parler. Donc, pas parler parce que zami ou, zami converser entre yo, zami gen intimité, zami partager secret, zami tout kembe secret yon pou l'autre. Donc, nous, ouais, Saint-Esprit, ya, eh bien, li pa prend gloire pour lui-même, bien que nous doué, by gloire au Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? By gloire au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu que lié. Mais nous voyons que Saint-Esprit semblait
il agit de façon discrète. Il dit, Jésus dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cependant, il retourne, tout le monde dit, il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit, donc, etc. Mais l'Esprit, ça, c'est ça, l'Esprit de vérité, c'est pas un esprit de mensonge. Et nous, on peut, ben, être capable de reconnaître, il y a un monde, laisser le Saint-Esprit capable d'agir dans lui-même. Donc, nous sommes capables de dire, disciples, pas fin saisir, n'est-ce pas vrai, tout concept yo, que Jésus a pensé. Yo. Et après, vous dans Jean chapitre 16, là, n'est-ce pas vrai, côté que il y a plusieurs concepts, même genre l'école, il y a une série de concepts. C'est après pour aller, ou retourner sur eux-mêmes, ou aller, ou faire une note là, ou passer, ou faire et là-dedans. Mais cependant, après, vous êtes capable de retourner, moi. Appelez une classe que je prends, que le spiritual warfare, guerre spirituelle, ouais, spiritual warfare, donc guerre spirituelle. Écoutez, un paquet de vérité eh bien, qui est capable d'équiper au monde pour le ministère, pour ce monde. Et puis, au fin de faire classe, oublié, mais son série de fois, mon série de bagailles d'oual qui a passé. Côté que je pas fini une explication pour eux, et puis l'Esprit Saint hein, dirige. Aller et ben dans notre yo et puis me capable comprendre ça yo qui a passé donc c'est wall Saint Esprit hein donc côté que Jésus passait seulement 3 ans passé il fait de grandes choses mais cependant Saint Esprit a lui-même l'a complété Saint Esprit a lui-même l'a complété et c'est ça Jésus lui-même lui dit yo c'est avantage donc et ben pour nous-mêmes je dis hein donc c'est avantage pour nous pour le Saint-Esprit. Donc, nous voyons que dans Jean chapitre 16, verset 29, qui sa Bible, la parole, bon Dieu, dit nous, il dit nous, le Jésus a dit un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, vous ne me verrez plus, plus encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Ça veut dire que c'est étoile, nous t'a dit, et les vieux, ça a été pour Jésus. L'homme a eu une chance d'aller à l'école. L'école puis facile je dis par exemple les on fait recherche sur un papier ou qu'à son table longtemps ou combien livres pour feuilleter donc je dis avec Google n'est-ce pas vrai mon capable apprendre plus facile gen moun ki gen PhD nan anglais sans yo pas apprendre anglais comme parle anglais parce que Google tu as dû pour yo mais cependant les mettre l'école mais faut devant professeur faut faire présentation yo ou pas qu'à dormir, mais je dis, même avantage que Google l'a porté, on est qu'à un computer là, et puis il met et puis il a pu faire, tout ça l'a pu faire, mais longtemps quand même, il y a plus de concentration, n'est-ce pas? Il y a plus d'interaction devant le professeur, c'est le même genre de disciples, il y a même, donc il y a apprendre. Donc, nous voyons que dans Jean 16, verset 29, nous voyons que les disciples n'ont pas qu'à comprendre tout. Et c'est après Jésus explique qu'il explique. Eh bien, Jésus dit qu'on y a now, qu'on y a ou à peu parler. Qui ça texte a dit? Jean 16, 29. Ce disciple lui dit, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Donc, Jésus pas parlé en parabole, n'est-ce pas vrai? Donc, il n'a pas parlé en parabole. Donc, parabole, c'est un... Il y a une histoire donc qui earthly story son histoire terrestre mais qui gagne une sorte de signification céleste divine bagaille qui saute dans le ciel mais Jésus employait des choses qui courent par exemple des choses dans la nature il utilisait pied bois il utilisait pied bête puisque c'est ça qui gagne à la portée des disciples pour le capable de faire comprendre vérité que le devait faire mais nous disons dans Jean 16, verset 29, disciple dit, « Ah, qu'on y a, on va parler aux vêtements et tu n'emploies aucune parabole. » Pourquoi ça, Jésus fait ça? C'est normal, il n'y a pas vrai banek yo, vérité à boum! La ligne loin pour le vini. Prêt, ensemble avec yo. Donc, et nous, que, mais yo vini comprendre. Là, Jésus, c'était yon système
ancien Jésus a vraiment li opère, n'est-ce pas vrai? Non seulement là bas monsieur connaissance des choses, mais li rivé côté et ben li vinn ouvertement révélé ça le dit a donc à disciple. Ça veut dire il dit je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ça vient plus clair encore pour disciple. Et nous devons que donc disciple on a yo vinn comprendre accepter réalité a accepter faire et bien que Jésus lui-même n'est pas là pour tout le temps avec nous. Heureusement, il n'est pas quitté nos orphelins. Heureusement, eh bien, c'est un avantage, nous, il voyait cet esprit pour qu'il console nous. Consoler nous, ça veut dire encourager nous dans nos afflictions, dans nos moments d'affliction, de peine, d'amertume, d'angoisse. Nous avons le Saint-Esprit donc, qui servit de part. Pour capable gagner l'Esprit Saint, ça vous capable faire. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. On va tout d'abord baptiser du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans la vie, vous êtes capable d'avoir l'Esprit. Il y a un peu l'Esprit qui est là. Il y a un peu l'Esprit, n'est-ce pas vrai, que bon Dieu t'a chassé, qui s'est roulé des gens, des anges déchus que vous voyez. Donc, qui t'a voulu prendre place, bon Dieu, pas même manquer parler de lui comme ça. Et bon Dieu t'es couru derrière yo, esprit ça yo, aurait même commun pour habiter, n'est-ce pas vrai? Gen pile monde yo habiter dans corps yo. Donc mais ou capable gen ça relé donc le Saint-Esprit, li omniscient, li omnipotent, li omniprésent. Le Saint-Esprit le consolateur, li gen pour rôle pour dire la vérité et c'est lui qui ça relé le porte-parole du Fils et du Père. Il parlera des œuvres de Christ. Il annoncera également qui ça qui vient pour arriver. Le Saint-Esprit nous a dit son conducteur qu'il y est. Donc, il a proclamé les choses, les événements du futur. Donc, c'est ça où le fortel. Ça veut dire qu'il a prédit le futur, événement, le développement. Il a foretelling tout. Eh bien, la fait ba yo konnen publiquement donc ça qui vient pour arriver. Donc nous wòl Saint-Esprit tout et ben nous wòl de la prophétie dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit il est là pour encourager, même Jean-Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, et ben wòl prophétie a, il dit moun nan ka prophétiser a au contraire la parler avec moun. C'est différence qui fait entre parler en langue, n'est-ce pas vrai? Donc la parler avec moun, la veut dire que la édifier, la encourager. C'est ça qui dit build up en anglais. La exhorter, n'est-ce pas vrai, puis marcher dans bon chemin. Il y a speak the truth, il y a parler la vérité avec douceur. You speak the truth in love. Eh bien, qui ça a fait tout, yo là pour consoler. Ça veut dire pour capable encourager. Donc c'est rôle prophétie. Tout, et Saint-Esprit lui-même lui joue tout. Somme tare le troisièmement pour finir, il y a plus bénéfice que départ à Pébaï. Plus bénéfice toujours. Départ Jésus. Ce n'est pas moi qui dis ça, non. C'est dans Jean chapitre 16, verset 20 à 24. On ouvre la Bible pour nous capables de voir. Jean chapitre 16, verset 20 à 24. Et bien, m'a appelé ça pour nous. Et bien, il dit en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Ouais. Wow. Ça fait nous mal. C'est même Jean, m'étonnant, dans le pauvre monde, les gens et chers qui mourent. Ça, tout le monde n'a pas culé des fois. Il y a des gens qui accusent les gens, des gens qui parlent en pile, n'est-ce pas vrai? Eh bien, il dit que n'a pas lamenté. N'a pleuré et le monde jamais y a préjoui. Mais vous serez dans la tristesse. Mais, votre tristesse se changera en joie. C'est ça Jésus dit. Et c'est ça lié, oui.
n'a crié, n'a lamenté pendant que le monde a réjoui. Les Jésus t'est mouru, le monde lamenté, le monde réjoui pendant que les disciples a lamenté. Mais faut te gon vendredi saint pour te gagner un dimanche matin au jour de la résurrection. C'est la joie. Et c'est ça que fait pour nous pas comporter nous chrétiens tant que le monde. Parce que dans Romains 12, verset 15, Dieu m'a dit nous pour nous pleurer avec les gens qui ont pleuré, crier avec les gens qui ont crié et réjouir avec les gens qui ont réjoui. Contrairement, le monde, les grands problèmes, ils ont fêté. Il y a des gens dans l'église, tout, c'est l'attitude le monde qui est, c'est le monde qui est tout, c'est l'ivraie qui est au milieu des bleus, du bleu, n'est-ce pas vrai? Mais, yo content, c'est attitude monde dans ça. Eh bien, bon Dieu, tristesse là, l'a transformé en joie. Gen moun, yo di, lo gen moun ki chè ki mouri, ma pwè ki sa l'a fait, mwen te wè sa pou li, n'a gade ki sa, li pou al fè, comment sa passe. Cependant, Jésus dit, et Jésus dit nous ça, message là, c'est pour nous. C'est pour avantage nous. Même laisse à Dieu. Mais tristesse nous a changé en âme. Et bien, l'analogie de cette femme qui est enceinte. Il y a une femme qui a coûté, qui a coûté là. Et vous connaissez, ça fait plaisir, n'est-ce pas vrai? Elle a pour ton bébé, mais il y a souffrance, tout n'a pour ton bébé. Hein? Mais cependant, le bébé a fait, il a pour la joie. Et c'est même gentil, tu apprends ça, il y a un semeur qui a sémé, planté, eh bien, le lapé planté, ça dure, parce qu'il faut s'écler, il faut fouiller tout, etc. Bien sûr, que le monde n'en baille. C'est ça que fait le monde qui plante l'église, tout. Quand il utilise le terme ça, il plante et church. Ça veut dire commencer surtout, vous commencez à zéro, from scratch. Ce n'est pas l'église qui va le diviser, ce n'est pas le monde qui va filer pour venir dans l'église. Le monde qui vient, c'est l'évangélisation ou bien c'est bon Dieu qui vous voyez. Donc, qu'on y a, eh bien, ça dure. Mais cependant, eh bien, l'église arrive au moment où on va gagner l'argent, on va gagner ceci, en plus, le monde a pris. Mais quand on est privé, bon Dieu est capable de bénir l'église. Bon Dieu est capable de bénir. Jardin et la libéni au temps de la récolte, et bien c'est la joie qui a bien, c'est la joie qui a bon, car ouais, exemple là, ou même sous un petit jardin dans la cour qu'on plante, et bien il est dur des fois, mais cependant avec espoir demain, ou à manger fruit. Il y a un texte que moi, ma parole bonne ou là, ma parole presque fini, c'est Somme 126, que je toujours aimé, et son chôme, mais qui dit, bon, moi, pile plaisir qu'on y a. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chants d'allégresse. Ça veut dire, oh, bon Dieu béni au monde, mon a tap souffre en pile, pas rentrer, non. Pas rentrer, dit, ou a vin mette terre en poids, ou a partiré, m'a dit chant automatiquement. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Béni soit l'Éternel. Disciple, eh bien, joyeux, tristesse là, abtounez joie. Eh bien, pour qui ça? Eh bien, parce que Jésus allait, c'est pour avantageux. Jean 16, verset 7. Et puis, Jésus promet là pour retourner encore. Et nous avons plusieurs retours de Jésus après la résurrection, il apparaît aux disciples, etc. Mais il est pour retourner encore. Et retour, ça, il est imminent. Par le monde qui connaît la privée, ce n'est pas seulement, nous devons préparer. Et joie que vous avez, hein, son joie durable. C'est pour une joie qui est éphémère, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour une souris jaune que la pied,
son joie qui durable, une joie qui permanent, et cette joie accorde, selon verset 22, son joie qui garantit, et bon Dieu fait qu'on est, il va exaucer prière. Il dit, jusqu'à présent, dans verset 24, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit complète. Et la joie que Jésus baille, il est après, il dit, je vous donne la paix que baille. Il dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jésus baille la joie, il y a une joie qui complète. Et c'est ça encore, fruit l'esprit a yé. Fruit l'esprit a déporté donc la joie. Mais c'est pour autant pour Saint-Esprit à venir, ça qui fait l'importance de la patience. La patience va planter. La patience dans toute bagaille de monde qui pas qu'à attendre dans la vie, il n'y a pas gain ça reler la patience. Gain monde qui pas planté, il veut récolter. Haïti longtemps les monde gain qui on a volé, les monde fait jardin, yo kon maré. Mais je dis à ces volets qui a maré monde qui a fait monde courir, bagaille a changé, mais cependant pas bon ici quand même. Bon, état de droit, n'est-ce pas vrai, l'ont planté. Et c'est ça, bon Dieu dit, espérer, et même pour capable récolter. Et pour finir, et bien, consolation, ça que Jésus, lui-même, lui, ben, là, encouragement, ça, c'est pour moi, c'est pour vous. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ben, la paix en moi. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que le monde ne peut donner. Vous aurez des tribulations. Ça veut dire que vous n'êtes pas facile. Vous avez une compréhension. Vous avez toute qualité. Vous avez parlé mal. Vous avez fait toute qualité à tête, n'est-ce pas vrai? Et vous aurez des tribulations. Et dans le domaine, vous parlez avec les disciples. Vous êtes capable de mettre. Vous êtes capable dans la synagogue, d'ailleurs, etc. Vous êtes capable d'envier pour une position. But not so fast, Jésus dit. Il dit pour un coup. Je suis ferme, inébranlable, n'est-ce pas vrai? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Il dit, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Et c'est l'esprit de prophétie, oui. Donc, il dit ça. Vous aurez des tribulations, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus pas traité dans la tombe. Jésus ressuscité, il est ressuscité, le bon nom, la victoire. C'est de vous qui clame la victoire dans le nom de Jésus. Mais comme on dit, des fois, c'est pour mettre tout en coupentade, mais pour prudent, sage comme le serpent, comme la colombe, et pour capable de mettre instruction Jésus en application. Mais vous avez Dieu le Père qui est pour nous, Dieu le Fils pour nous, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu hein, en trois personnes, donc qui pour nous. Nous pas gain droit pour nous capable peur en rien. Donc que bon Dieu capable bénir accepter vérité nous t'a dit. Donc qui gain dans passage ça qui parole bon Dieu côté bon Dieu a préparé disciples et côté que nous ouais que bénéfice que le bail eh ben le fait que l'aller c'est pour bénéfice son bagage qui doit profitable pour vous-même et côté il bail le Saint-Esprit qui est là pour jouer le rôle de conviction, le rôle de guidance et le Saint-Esprit, il est là pour glorifier le nom de Jésus et nous avons encore plus bénéfices que mon Dieu bail dans chapitre 20 verset 24 là, et bien dit pas ça capable créer un vide, mais cependant, et bien gain plus bénéfices encore donc dans départ de Jésus hein, parce que nous voyons que émotionnellement, n'est-ce pas vrai, bon traitement qu'a fait bon guérison qu'a fait côté eh ben la joie a remplacé tristesse là côté la peur eh ben a remplacé par la paix et la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence et cette paix que Jésus balle c'est une paix qui est durable que bon Dieu capable bénir nous voulons dire nous toute merci pour patience nous encore été assidu donc pour nous étudier la Bible ensemble avec pasteur
Jacques François. Nous voulons dire merci à notre sœur, très chère Lisanne Pierre, qui toujours a participé et qui toujours a partagé la vla à Pasteur Nel Dalzon, notre ami. Nous avons la sœur Marie River, Madia River, nous avons Josué, Joshua Nathan, donc tout le monde sait a regardé, tant de monde encore qui n'a pas écrit, mais qui toujours gardé. Donc, on va voir le résultat, combien de monde qui live là encore. Écoutez, live la semaine dernière, atteint un paquet de monde. Et en pile moun ouais encore tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Donc appliquer la Bible dans la vie, nous la Bible c'est la parole de Dieu, la Bible c'est l'épée de l'esprit. Donc bal en pile importance donc à la parole, parce que c'est avec parole ça nous est Jésus et mettre chasser Satan dans Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas vrai? Donc parole là il a en pile importance, parole bon Dieu. Donc, liba moun, victoire. On seul parole ou capable dit. Et puis, bon Dieu mobilisé, un pile ange, soit pour capable secourir, pour capable délivrer, et pour capable protéger. Que bon Dieu capable bénir nous. Passer, nous t'a dit, c'est demain, si Dieu veut, week-end là, commencer. Mais passer une très bonne semaine. Pas oublier capter Radio Méga demain, sur 17:00. Pour nous entendre la voix de l'église Jérusalem, et pas oublier samedi de 10h à midi, bien jeune, et dimanche, nous attendons pour service d'adoration. Nous avons l'école du dimanche tout qui commençait à 10h, donc pour tout âge, donc, et aussi service d'adoration donc, qui commençait à 11h, donc précise. Donc nous attendons tout. Continuez à prier pour nous. Et nous disons Seigneur, merci. Et pendant ces saison difficile, ça, lui permet de nous capabilités vivants. Et nous ne prenons pas ça à la légère. Nous voulons continuer à servir mon Dieu. Nous voulons dire même Jean avec parole Josué, bien qu'il te dise à la fin de sa vie. Mais nous dit parole ça tout. Bien que nous connaissons que. Bon Dieu, conservez-nous la vie toujours, selon volonté. Et nous sommes capables de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une bénédiction dans ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour qu'ils raisonnent ça, mais pour ça lier et pour ça la continuer, faire pour nous-mêmes, et qu'il en soit ainsi pour vous, n'a prié pour Caillou, n'a prié pour vous-mêmes, pour nous capabilités. Et servir et bon Dieu, parce que il est Somme 133 dit, il y a une bénédiction dans ça pour des frères de demeurer ensemble, c'est là qui gagne la vie, la bénédiction pour l'éternité. Nous prions. Merci Seigneur pour grâce qu'on fait nous. Merci pour la vie qu'on donne nous en Jésus-Christ. Merci pour l'étude de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui permet de nous capables de comprendre la vérité, Seigneur, qui est dans le texte. Dans le texte, dans la parole, Seigneur, nous coubons bien bas. Toujours remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, pour nous capables faire œuvre qui vaille pour la gloire de ton nom et pour l'édification des saints. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès à présent et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Restez avec Père, bon Dieu. Bonsoir, bonjour.